Pendant que je les raccompagnais, les amis qui nous ont ouvert leur grange pour la nuit n'ont cessé de calmer leurs enfants tout le long du chemin qui mène à l'entrée du village où ils demeurent. Je reviens seul sous les étoiles, en me laissant guider par la lueur rouge-orangée sporadique du feu que nous avons allumé tout à l'heure pour passer la soirée. Au fur et à mesure que je me rapproche, ces embrasements fugitifs font surgir les silhouettes assises de mes compagnons et des saintes femmes qui nous maternent. Je les rejoins. Nous ne sommes plus qu'entre nous, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. En silence, l'une ou l'autre tend et réchauffe ses mains aux braises. Avant de m'asseoir, je me penche, saisis une branche non consumée, entreprends de ranimer le feu en remuant deux ou trois bouts de bois, à moitié calcinés, puis, prolongeant l'interrogation de notre hôte que j'ai éludé avant qu'il parte, je demande « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» L'après-midi s'était déroulé comme prévu. Après m'être assis sur le tronc couché d'un énorme chêne pour être bien visible et vérifier que tout s'entendait bien, les plus éloignés m'avaient répondu affirmativement d'un signe de tête, tandis que celles et ceux qui étaient devant moi se rapprochaient encore à s'asseoir presque sur mes pieds, j'avais quand même dû élever la voix pour que mes paroles ne se laissent emporter par le vent. J'avais enseigné de la 9e à la 12e heure, me servant de paraboles simples, mais que j'aime bien, pour parler du royaume de Dieu, des histoires pratiques qui m'aident à expliquer qu'il suffit de le laisser s'approcher pour y entrer, comme je dis. Des histoires de farine que les femmes font monter avec du levain, par exemple, afin qu'elles n'aillent pas chercher Dieu derrière les nuages. De trésors que chacun doit trouver, à condition qu'il se donne la peine de bêcher son jardin. Toutes images destinées à faire comprendre qu'on ne pénètre pas non plus comme ça dans le royaume de Dieu, en claquant des doigts. Que pour arriver jusqu'à sa porte, il faut s'en donner la peine. De la même façon qu'il faut travailler pour vivre, leur expliquant que, en deçà du fait que travailler à la sueur de son front est indispensable pour se nourrir, le travail aide à s'oublier et, en cela même, prédispose au respect que l'on doit accorder aux autres, dont chacun a besoin, leur proposant pour modèle l'attention toute simple que se portent les amoureux. Enseignant à ceux qui m'entouraient qu'ils doivent regarder et écouter d'eux-mêmes, s'ils veulent voir au-delà des apparences, que c'est de cette façon qu'on parvient à discerner les véritables attentes qui se cachent derrière les gestes, les traits du visage, les paroles et les silences de ceux avec qui l'on vit. Que le véritable amour n'est pas un sentiment qui incline à aimer seulement ceux vers qui nous sommes naturellement attirés, mais qu'il relève aussi de la volonté. Que ce que Dieu demande à celui qui veut vraiment aimer, c'est de se donner. Car se dépasser est la clé qui ouvre la porte de la vérité, comme j'appelle aussi le royaume de Dieu. Cette vérité sans laquelle le bonheur durable auquel tous les hommes et toutes les femmes aspirent ne peut se fonder. Ce bonheur auquel nous sommes tous appelés, parce que tel est le projet de Dieu pour l'humanité. Leur révélant que Dieu est amour, que ça n'a pas de sens de croire qu'il faut attendre que notre corps soit mort pour entrer dans son royaume, que l'amour, le véritable amour, attend à notre porte, qu'il est là, proche, tout proche, si proche, qu'il nous suffit de veiller, d'ouvrir les yeux et de faire ce qu'il nous dit de faire pour l'accueillir, y entrer et y rester. Ce que je résumais en invitant ceux qui me suivent à veiller et prier en tout temps. De là, j'en étais venu à parler de justice, cette notion de base pour qui veut construire la paix. L'un d'eux m'avait lancé sur le sujet de la présence des Romains. Était-il normal qu'ils tiennent sous leur joug la Palestine ainsi que tous les peuples qui bordent la Grande Mer? Quelle attitude devions-nous avoir envers eux? Ce sont tout de même des envahisseurs! Était-ce un piège, comme j'en détectais de temps en temps? Un piège qui, si j'y tombais, pouvait me faire emprisonner comme Jean-Baptiste et entraîner l'échec de ma mission en me réduisant au silence plus tôt que prévu? Je m'étais débarrassé de la question en leur faisant remarquer qu'ils auraient toujours quelqu'un au-dessus d'eux, et que de toute façon, je n'étais pas là pour ça. « Tu n'es donc pas le Messie ?» m'avait apostrophé l'un d'eux, déçu. Ce à quoi je lui avais retourné, «
Crois-tu que Dieu se soit donné la peine d'annoncer par ses prophètes, tout au long des Écritures, que le Messie dont tu parles, que tu espères, viendrait pour chasser les Romains, alors que ce peuple n'existait pas encore ? On en était resté là.